À l'époque, j'habitais Toulon, au lac du Revest. J'avais dit, il faut qu'un jour, j'ai ma maison au Revest. Hier, je vais chercher mes fleurs, mais c'est où le Revest? J'ai dit, ben, c'est derrière la colline où il y a le pharaon, ben, c'est juste derrière. Ah d'accord, on ne connaît pas. Et c'est des gens de hier. Je voulais ma maison au Revest. Je m'appelle Laurence et je suis fleuriste à domicile sur le Revest Les Eaux. J'ai démarré donc cette activité-là à l'âge de 40 ans. Je voulais avoir ma création à moi. Ça a été dur au départ hein, parce qu'il fallait monter mon entreprise. Je ne l'ai pas montée seule, je l'ai montée avec ma famille. J'ai été encadrée avec la couveuse interface pendant une année et demie jusqu'en décembre 2014 pour être à mon compte en 2015, janvier 2015. Les qualités pour être un bon fleuriste, c'est d'avoir déjà la passion, le savoir-faire, les goûts, les couleurs. J'ai fait le marché pendant 6-7 ans. Les commémorations du 14 juillet, du 20 août et du 11 novembre. Je travaille avec la mairie, je dépose les fleurs tous les lundis matins à l'accueil. Je dépose aussi des fleurs le lundi aux collines du Revest, donc Clinéa, des petits bouquets sur le comptoir, aux admissions et à l'accueil. Si c'est sur un thème de coquillage, poisson, plutôt qu'un bouquet. Parce que le bouquet, finalement, ça va cacher, parce qu'il va être gros le bouquet, donc il faut faire une petite composition avec justement les petites fleurs de saison. Il faut arriver à ce que la fleur, par exemple cette fleur, elle est saumonée, et bien, il faut marier avec du saumon ou un filet de truite. Sur le deuil, en fait, je veux évoluer parce que je veux créer un site aussi sur le deuil. C'est une passion pour moi de faire une couronne. Faire une croix, un cœur et une couronne, c'est de la minutie. Ça se travaille fleur par petite fleur. Ça peut être de la grande fleur, on peut faire aussi bien bombée que champêtre, voilà. Moi, dans l'année, il y a 4 saisons, évidemment. On va partir de février parce que c'est la Saint-Valentin. C'est évidemment la rose rouge. Ensuite, on va partir sur la fête des grands-mères au mois de mars-avril, à peu près. Alors ça, c'est les jonquilles. Pas souvent que ça arrive, mais ça arrive de faire un très gros bouquet avec pour une mamie qui a eu, c'était l'année dernière, 100 ans. Et j'avais 100 roses dans les mains. Donc pour le coup, ça commençait à faire du poids. Cette belle pivoine qui va durer plus de 10 jours, on va dire, et qui peut changer aussi de couleur, aussi bien quand elle est jeune que quand elle vieillit. Voilà, et c'est pour la fête des mères. Un bouquet de mariée peut être aussi rond,
que allongée. On peut aussi bien faire suivant la mariée, si elle est grande, on peut mettre un bouquet en cascade. On a les tulipes un petit peu l'été, voilà, mais qui reviennent aussi les tulipes sur Noël. Les tulipes de chez nous, de Carqueran, de nos producteurs du Var, parce que moi je travaille beaucoup avec la production varoise. Après, je ne stocke pas énormément, mais le peu que j'ai, ben, je renouvelle au fur et à mesure parce que je vais avoir de la fleur fraîche, même si c'est pour du deuil ou quoi, ça va être toujours de la fleur fraîche. C'est important, les filles elles aiment ça parce qu'on peut faire aussi une couronne de Noël. La couronne, ça c'est. Voilà, je l'avais fait l'année dernière. Elles sont revenues. Et les couronnes, les centres de table. De toute façon, pour Noël, c'est ça, centre de table et couronne. Tiens la route. Non, 48, j'ai dit. 48. Surtout que la même personne, pour voir son évolution après, qu'elle puisse revenir dans l'année, c'est en général, j'en fais 4 ateliers. Et si la personne, elle vient pour Noël, il faudrait qu'elle revienne après au printemps, qu'elle revienne après pour la fête des mères, qu'elle revienne après pour la Toussaint. Comme ça, à la fin, je leur fais faire le bouquet rond. Et le bouquet rond, il faut vraiment qu'il tienne sur la table pour dire voilà, ça y est, je suis experte. On peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, bon ben voilà, au début. On peut me trouver sur Insta. Les gens me suivent. Je mets les photos, je raconte ce que je fais aussi. J'ai 5 avis sur Google, donc les gens, ben, ça les motive aussi. J'ai mon site en ligne, les gens commandent en ligne. Directement sur idéfleurs.fr. Moi, je marche avec la saison. Donc, la personne, elle a choisi un bouquet que de roses, eh ben, il faut que j'ai les roses. Et après, il me sort un bon de commande et je vais faire la livraison suivant le secteur. Je fais aussi ce qui s'appelle chaîne de transmission. Ça, le client vient, on choisit ensemble sur un catalogue et on remplit un bon de commande. Et c'est une fleuriste de là où le client a choisi, qui va composer le bouquet de fleurs. Alors, en 2024, je vais avoir une traction, voilà, une traction pour les mariages. Et je serai très, très heureuse d'accueillir aussi bien des gens fidèles que des nouveaux clients, parce que justement, les nouveaux clients, ça, c'est très important.